OK, question 17. Dis-toi qu'un carton contient 2,5 litres de jus. Ça veut dire un carton jus. OK, là-dedans, il y a 2,5 litres de jus là-dedans. Carlos drinks 650 ml of the juice. Right là, veut dire depuis de ça 2,5 litres là, il boit 650 ml là-dedans. Veut dire une boîte complète de 2,5 litres. Cette boîte-là complète, combien de jus qu'il y en a? Il y en a 2,5 litres là-dedans. Mais nos camarades, Carlos, il drink combien là-dedans? Il drink 650 ml depuis sa 2,5 litres là. Veut dire, how much juice is left? Bien facile. Combien qu'il left? Veut dire, nous fait la différence. 2,5 litres nous retire 650 ml. Problème, c'est tous les deux, ce n'est pas même unit. Tu n'as pas fait tous les deux une même unit. Comment tu as fait tous les deux une même unit? Tu connais comment faire litre avec une milliliter? Litre pour une milliliter, c'est fois 1000. OK, 2,5, c'est 2 fois par 1000, tu bouges 3 décimales à droite. Les pour 2500, les 2500 millilitres qui nous proposent en retirer 650 millilitres. Allez, nous guettons qui les pour venir. Si nous faisons 2500 retirer 650, comme les pour venir, retirer 0, retirer 0, faire 0. Et si nous prenons prêter 4, 10, divine 5, pour une prêter, divine 8. OK, et ici N, 10 retirer 6, bien bon, divine 1850. OK, veut dire combien il restait 1850 millilitres. Mes questions, j'ai demandé ma réponse là en litres. Et comment nous faisons millilitres avec une litres? Nous avons besoin de diviser par 1000. OK? Litres avec une milliliter, là, nous sommes multipliés par 1000. À ce millilitres et une litres, nous avons besoin de diviser par 1000. Et quand nous divisons par 1000, nous retournons 3 décimales à gauche, divine n.85. Donc, à part mettre ça à 0 là, il n'est pas menteuse. OK? N.85 litres. Ça, c'est réponse pour partie A. Next part B, une question de time. It has the time in Chennai is 4.5 hours ahead of the time in London. Allez, suivre. Si ça c'est London time, ici c'est Chennai ce time. Et toi, Chennai ce time, il est 4.5 hours ahead. Ça doit être 4000, même j'y vais ça. OK, ahead, veut dire que tu as besoin d'ajouter 4.5 hours. Pour faire London ce time, vin Chennai ce time, tu as besoin d'ajouter. Ahead veut dire ajouter. Chennai ce time, li 4.5 hours ahead of London ce time. Veut dire London pour venir Chennai, vous besoin ajouter 4.5 hours. Et que si on veut faire Chennai avec London, vous besoin retirer 4.5 hours. Next, what time is it in London? Quel est l'heure de London? Si de Chennai nous 14h45. Veut dire 14h45 ou de Chennai, ou bien on veut faire living London time, vous besoin retirer 4.5 hours. OK, veut dire nous avons 14h45, ça c'est hour hand, ça c'est minute hand. OK, nous pouvons besoin retirer 4.5 half hour là, tu ne peux pas faire living en minutes. OK, half hour, c'est deux fois par 60 et vous venez 30 minutes. OK, la moitié de l'étang, c'est 30 minutes. Veut dire nous avons besoin retirer 4 étangs en 30 minutes. Si nous retirons 45, retirer 30, fait à 15. 14, retirer 4, fait à 10. Alors, nous venons 10h15. 10h15, ça c'est ta réponse. Next, c'est toi. A flight leaves London at 13h25. Leaves London at 13h25, local time. Veux dire qu'on pense à bout là bien. Moi, à London. OK, ça c'est London. Ça c'est Chennai. OK, right. Aster, comprends bien une time difference. Une time difference qu'on appelle London time. Veut dire l'air qui nous était de London et que l'air qui nous était de Chennai est différent. Chennai time est différent. Fait comme on dit nous midi dans London, pas veut dire nous de même l'air nous était de Chennai. Chennai n'est pas midi. OK, il y a une time difference. Il y a time difference, ça t'explique là-haut. London time pour venir Chennai time. London pour venir Chennai, vous pouvez ajouter 4.5 hours. Et Chennai pour venir London, vous pouvez retirer 4.5 hours. OK, right. Next. Suivre. Andrew Digital leaves London at 13h25 local time. C'est-à-dire London, il peut sortir London. London time, ce local, l'air local là-bas, il peut sortir London qui est 13h25. OK? C'est-à-dire s'il peut sortir 13h25, si de London est 13h25, en même temps, sans même ça, là, qui est noté de Chennai là? Ou pour vous inquiéter, ajoute 4h en 30 minutes. C'est-à-dire si tu prends 13h25, tu ajoutes 4 étangs, 4.5, c'est 4 étangs 30 minutes. Qu'il y a des pour venir 25 plus 30, fait à 55. 13 plus 14, fait 17 et à 55.
Eh bien, nous, on coule là-dedans même, là, nous, pas qu'on démarrer l'avion, pas qu'on décoller là. Right? Ça veut dire, si un dimoun peut sortir London, l'air local de London, 13h25, veut dire, en même temps, là, de Chennai, sur l'air dit 17h55. À ce stade, il sorti, it arrives in Chennai at 4h local time the next day. Veut dire, ce Chennai time, local time, veut dire qu'un avion sorti de London, il est à Chennai, right là, it arrives in Chennai, il rentre Chennai ici, là, il rentre Chennai, qu'il y a 4h lieu local là-bas. Veut dire, Chennai sur lieu local ici, ça veut dire là, tu connais les 4h. Et qu'il est à 4h temps, 4h sur next day, lendemain, next day. Veut dire, 17h55, c'est 6h moins 5, tantôt, avion voyage, il est 4h du matin, il rentre. Ok? Il est à work out. In hours, tu n'as pas gagné salaire là aussi, si tu as envie. Right là, veut dire si tu as Chennai ce temps, pour faire live in London ce temps, tu as besoin de retirer 4, 4 and a half hours. Tu n'as pas retirer si tu as envie. Et nous retirer, nous voulons qui peut arriver. 4 heures, nous retirer 4 and a half hours. Nous avons 4 heures. Nous pouvons retirer. À ce temps, 4 and a half hours. Nous pouvons retirer 4 and a half hours. C'est 4 heures et 30 minutes. Là, vous avez fait bien attention. Fait que même ou 4 heures, suivez bien, servez-vous l'esprit. Ou 4 heures du matin. Si vous tirez 4 heures, vous pouvez arriver minuit. Ou tirez encore 30 minutes, vous pouvez arriver 23h30. Alors, comment on a petit fait de niveau comme ça? À cause, ça c'est 4 heures lendemain. Ça c'est 4 heures lendemain. Right là, c'est vous besoin d'ajouter 24 heures en lit. Ça veut dire 4 plus 24, fais-toi 28. Ok, là, c'est un calcul là, fait facile. Là, vous faites 0, retirez 30 par capable. Vous prenez un temps prêté ici, 27, ici, 60. 60, retirez 30, fais-toi 30. 27, retirez 4, fais-toi 23. C'est-à-dire 23h30. C'est-à-dire qu'il y a avion à rentrer, il rentre 4h à Chennai, mais qu'il y a été là de London time, il est 23h30. À ça, il y a le time duration of flight, là, comment il était. Duration of flight. Fais bien attention, il y a une information ici, ici, dans les élèves, vous êtes mixés de information. Ou pas prendre time Chennai ou retirer time London. Vous avez fait la différence entre les deux. Next, ça, c'est le time difference. C'est-à-dire, ce duration, combien de temps il prend? C'est une sous-titre 13h25. Il y en a 23h30, combien de temps il prend? Ou soit tu ne peux pas faire ça pour aller ça, au time difference, ça veut dire combien de duration? Si un avion sorti 13h25, il rentre 23h30, pense ça, retire ça, ou soit tu ne peux pas prendre ça, retire ça, n'importe N. Ok, donc après, premier M, vous pouvez 23h30, vous retirez 13h25, si nous retirez 30, retire 25, fait 5, et que 23, retire 13, fait 10, vous allez prendre 10h temps, 5 minutes. Ok, donc tu peux prendre 4h, retire 17h55, fait 4h, 28h. Retire 17h55, tu peux obtenir la même réponse. OK? Next, nous check question 18. Question 18. Facile. La demande de la square root, cube root. Find the value of positive square root of 121. Right? Pena négatif, demande positive square root. Right? La square root 121, qui est positive value, qui est multiplié pour gagner 121. C'est 11. Réponse 11. Right? Cube root of negative 27. Right? Qui trois chiffres pareils, tu multiplié. Donc, cube root, pena positive, négative. Cube root qui 3 chiffres pareils, tu multiplies pour gagner négatif 27. Pour gagner 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Mais pour gagner négatif 27, c'est négatif 3 fois négatif 3 fait positif 9 fois négatif 3 fait négatif 27. Mais déjà ici, réponse B, négatif 3 fait bien attention. Next, ça c'est write down the numbers in ascending order. Ça veut dire starting with the smallest. Right? Les quelques petits, les quelques petits gros. D power 3, c'est D fois D fois D. D fois D, 4 fois D fait 8. 3 power D, c'est 3 fois 3 fait 9. 4 power 0, any number power 0 becomes 1. 5 power negative 1, si nous servons la loi indices. 5 power negative 1, vous pouvez faire du positif. Si vous avez power là en bas, il y a n sur 5. À ça, vous pouvez faire la vie décimale. N divisé par 5, de n comme 5 est à 0. Remainder n, 10, il fait à 0.2. Vous voyez, ça arrive à 0.2. À ce terme, vous faire ou numéro 2. Lequel petit parmi là-dedans? C'est 0.2 petit. Deuxième, c'est n. Troisième, c'est 8. Quatrième, c'est 3 power 2. Mais quand on met une réponse, mettez ça dans le chiffre qui est de nous là. Ok, mettez dans l'ascending order. Première position, tu vas mettre 5 power negative 1. Deuxième position, tu vas mettre 4 power 0. Troisième position, tu vas mettre 2 power 3. Et quatrième position, tu vas mettre 3 power 2. Ok, next, ça c'est nous get partie C. Il nous a 16 power 3 loadé. Fractional power, comment on nous deal avec fractional power? Tu expliques juste. Fais ça chiffre là, base ça dans l'index form, divine 4 power 2, ou quand on fait divine 2 power 4 aussi. Right? Power 3 low 2. Là où ça veut power low, qui est pour venir 4, ou multiplier ça des power là-haut. 2 découpé, divine 4 power 3, qui 4 power 3 veut dire 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 4 fait 64. Réponse 20, 64.